La justice des hommes. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est écrire une histoire simple qui pose une question un peu plus complexe. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai voulu faire, mais bon, ce que je me suis dit en fait en finissant d'écrire, que voilà, le livre racontait une histoire très simple, l'histoire d'Alice et Aurélien, un couple assez jeune, qui ont deux enfants de 4 et 6 ans, et ce couple se dispute un soir, et la dispute n'est pas vraiment violente, mais il y a quelque chose de très violent qui est l'aveu que fait Alice à Aurélien du fait qu'elle a un amant. Voilà, et cet aveu qui est assez sec rend Aurélien fou, fou de jalousie, et il commet une erreur. Qui n'est pas du tout de frapper sa femme, mais qui est une erreur qui est pas vraiment intentionnelle, mais qui provoque le fait qu'il se retrouve en prison pendant 9 mois. En prison, il réfléchit à ce qu'il a fait, il n'arrive pas à s'excuser lui-même, il s'enferme lui-même plus que la justice ne l'enferme, et quand il sort de prison, il n'arrive plus à parler avec Alice, et il vit pendant quelques mois en étant convaincu d'une manière un peu absurde que, en perdant sa femme, il a perdu aussi ses enfants. Au bout d'un certain temps, il essaye de renouer le dialogue, et en fait, c'est compliqué. Voilà, il n'arrive pas à, Alice et Aurélien n'arrivent pas à se parler, il n'arrive pas vraiment à revoir ses enfants, un peu poussés par leur milieu, par leurs amis, par Aurélien, par son frère, Alice, par ses deux sœurs, ils décident de confier l'affaire à des avocats. Voilà, on les convainc qu'il faut divorcer, qu'il faut trouver une solution pour les enfants, pour la garde des enfants, parce qu'Aurélien a perdu l'autorité parentale en allant en prison. Et en fait, les avocats prennent les choses en main, et ils finissent par convoquer une réunion pour trouver un accord à l'amiable, comme on dit. Et pendant cette réunion, en fait, Aurélien voit sa fille pleurer, et il comprend qu'il a tort, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dû confier ça à des avocats, que c'était à lui de trouver une solution, et il demande pardon. Il demande pardon à ses enfants, il demande pardon à Alice, et il part. Et voilà, il rentre chez lui tout seul, convaincu qu'il a tout perdu. Et en fait, le lendemain, Alice lui amène ses enfants. C'est-à-dire qu'elle aussi, d'une manière plus silencieuse, mais peut-être encore plus fondamentale, comprend que ce n'est pas à la justice de s'occuper de cette affaire intime. Et c'est ça, j'espère, que le livre pose comme question un peu plus complexe, c'est de quoi la justice peut s'occuper, de quoi elle ne peut pas s'occuper. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a tous en tant qu'être humain à l'intérieur de nous qui fait qu'il y a un lieu qui est difficile à nommer. Parfois, on lui donne des noms très matériels comme les entrailles, les tripes. Même le cœur, et parfois des noms très abstraits, très, très, très éthérés, comme l'âme. Mais c'est un endroit, en tout cas, où je pense que, voilà, que la justice, comme la police, ou même les médecins, n'ont pas vraiment à entrer. Et c'est le dialogue, le contact entre ces intimités qui fait que Alice Aurélien trouve une solution différente que celle qu'aurait pu trouver la justice. Aurélien ne s'enferme pas seulement en prison, Aurélien s'enferme dans le silence, c'est-à-dire qu'il arrête de parler, il arrête de communiquer avec les autres, et voilà, ce qui est une sorte de pur élément de fiction, je dirais, dont Aurélien n'a pas conscience pendant une longue période, pendant tout le temps où il est en prison, et même après sa sortie de prison pendant plusieurs mois, c'est le fait que sa fille de 6 ans a aussi choisi de s'enfermer dans le silence. Elle, d'une manière
qu'on pourrait dire pathologique, c'est-à-dire qu'elle ne parle plus du tout, elle parle plus en classe, elle parle plus à sa mère, elle ne parle plus à son frère, et elle est traitée, c'est-à-dire qu'elle a, elle commence à avoir une pédopsychiatre qui va l'aider à retrouver la parole, qu'évidemment elle va retrouver plutôt en retrouvant un contact avec son père. Mais disons que ce silence qui emprisonne Aurélien et sa fille, Elsa, c'est aussi le silence dont je crois que je parle depuis que j'ai commencé à écrire mes trois premiers livres, Une enfance laconique, Une jeunesse aphone et Une adolescence taciturne, et le silence de mon grand-père dont je parle surtout dans le ghetto intérieur. On est tous, en tant que personnage, prisonnier, je pense, du même silence. Je pense que c'est un mélodrame, effectivement, et je dois avouer que la plupart des lecteurs, pour le moment, ont tendance à pleurer en lisant le livre, en tout cas me dire qu'ils ont pleuré. Je pense pas du tout que c'est une volonté mélodramatique, c'est-à-dire que voilà, il y a des règles dans le mélodrame. Voilà, un empêchement extérieur très souvent, comme là on peut dire que voilà, l'erreur que fait Aurélien au début, qui est simplement de pousser un policier dans une dispute qu'il a à cause de ses enfants au milieu de la nuit, donc on peut dire que voilà, que ça agit comme un obstacle extérieur qui ravive la douleur qui la provoque et qui l'entretient ensuite. Je ne pense pas que j'avais moi la volonté de construire un mélodrame. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui, évidemment, qui doit énormément évidemment à ma vie personnelle aussi. Je me suis séparé en ayant des enfants de cet âge-là. Mais qui, oui, qui moi aussi, moi, non seulement en l'écrivant, mais en la relisant, et même là, quand j'en parle, a tendance à me mouvoir. Donc, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi on raconte des histoires on raconte des histoires tristes. Est-ce que c'est pour partager la peine? Est-ce que c'est pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas quel réconfort on trouve dans le fait d'écrire ou d'inventer des histoires tristes, mais en tout cas, je n'ai pas pu ne pas inventer cette histoire-là. Et en ayant chaque fois plus conscience du fait qu'elle était douloureuse. J'ai tendance à essayer de trouver voilà, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à résoudre des paradoxes dans nos vies, dans notre pensée, et qu'effectivement, je pense qu'en se quittant s'aimant, et on s'aime en se quittant, alors que voilà, ce serait beaucoup plus simple de constater ensemble, définitivement, qu'un amour est mort pour se quitter, ou constater ensemble, définitivement, que l'amour n'est pas mort et ne pas se quitter. Mais comme toutes les choses qu'on vit, je crois qu'elles sont mouvantes d'une part, mais elles sont aussi, même d'une façon instantanée, disons, elles sont parfois contradictoires. Des paradoxes que j'ai posés dans tous mes livres, je pense, de toutes les manières. Il y en a une qui est très simple, je demande, je l'ai fait plus d'une fois, je crois, malheureusement, je me répète beaucoup, mais ça c'est l'âge, le fait que douceur et douleur sont séparés par une seule lettre, comme l'arc et la lyre en grec. Donc, un détail qu'on utilise pour parler d'Apollon et pour dire qu'Apollon est... Et en même temps, le dieu guerrier, le dieu forme de force et le dieu de la musique, le dieu d'une certaine tendresse ou faiblesse. C'est un livre qui est en même temps un peu différent de tout ce que j'ai écrit avant. Je dis souvent que c'est mon premier roman. En fait, peu à peu aussi, en parlant et en écoutant les gens parler, je me dis qu'il n'est pas si différent. En fait, il y a le silence qui revient comme dans tous mes livres. Il y a,
il y a cette séparation qui n'est pas très différente d'une séparation dont j'ai parlé dans un autre livre qui s'appelle « Des jours que je n'ai pas oubliés ». Voilà, il y a toutes mes obsessions, comme ces paradoxes dont je parlais. Ce que j'ai raconté, c'est un peu une, disons, la trame simple de l'histoire. Effectivement, Alice et Aurélien, voilà, ils sont deux enfants qui sont aussi des vrais personnages, qui ont leur histoire propre, qui vivent de leur propre manière cette année douloureuse, puisque l'histoire se passe plus ou moins sur un an. Il y a le frère d'Aurélien qui s'appelle François, qui est un personnage assez important, qui a été adopté par la même famille que lui, ses deux enfants adoptés. De l'autre côté, il y a Alice qui a deux sœurs et qui représente un peu le contraire, une famille parisienne assez simple, du 11e arrondissement. Et il y a aussi un personnage qui est un peu à l'écart et qui est aussi un paradoxe en lui-même, qui est le seul ami qu'Aurélien se fait en sortant de prison, qui est un vieil homme algérien qui lui loue la petite deux pièces où il habite en sortant de prison, qui est un personnage qui est un peu inspiré des nouvelles de Borges. Je disais que le livre devait beaucoup à ma vie personnelle. Ça doit aussi beaucoup à un scénario que j'ai coécrit avec un réalisateur qui s'appelle Santiago Tegui, avec qui on a travaillé pendant plusieurs années. Donc on a travaillé d'abord sur un projet de film où toute l'histoire du roman était seulement la moitié de l'histoire du film, parce qu'il y avait une autre histoire qui était aussi importante. Et ensuite, on a essayé, sans jamais finir ce travail, de construire un film seulement avec cette histoire-là. On l'a abandonné. Après, voilà, comme souvent, les scénarios finissent dans des tiroirs, parce que pour des problèmes de production ou juste pour des histoires de désir des réalisateurs. Et voilà, j'ai repris ce scénario. Je demandais au réalisateur de m'autoriser à écrire un roman à partir de ce qu'on avait inventé ensemble. Le roman, évidemment, est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe que l'était le scénario, mais il lui donne énormément aussi.